Ok, je pense que ça va être officiellement ma pire intro. Et bonjour, vous êtes aussi Morgan Pombrella. Et on se retrouve sur Noobit de la mort, la baston des groupes. Alors, passons par le menu principal cette fois, parce que pourquoi pas. Ah, mais attendez. J'avais jamais remarqué. La musique qui passe quand on survole la sauvegarde, c'est la musique de la zone. Incroyable. Exceptionnel. Et donc, on était ici pour défoncer du fantôme. Et bien c'est grand ici. On va pas aller là. C'est du sol. Je me disais, c'est bizarre, ça ressemble à rien, mais c'est du sol. On reprend doucement, absorber la lumière, ouais. Je suis pas impressionné, je veux juste te buter. Super cri astral. Ça fait un peu mal, mais ça va. Voilà. On reprend doucement. Qui est modéré là? Attendez. C'est vrai que le Air Shredder, je le fais pas souvent. Je vais essayer ça. On veut pas y aller. Même pas drôle. Ça me surprend en vrai. Parce qu'en général, ce jeu est plutôt là en termes de petits détails. Le fait qu'il n'y ait même pas un commentaire de la part des personnages sur le fait que je viens de péter une porte alors qu'on est environ 20 mètres du sol. Ça me surprend qu'il n'y ait rien à dire sur le sujet. Ah! Et les sacrés. Quel enfer! Qu'est-ce que c'est que ce but? Le bus est molletonné à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Au secours. Ce saxo, par contre. Wow. Pourquoi la porte est là? Comment la porte atterrit sur le fauteuil? Le bouton. Voilà. Bon, du coup, ça ressemble à quoi ce... On va invoquer. On va invoquer le petit poète d'abord. J'adore ce solo de banjo. Ah, ça foiré! On revient un peu ce basilien machin. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Bon, faut pas oublier que leur barre est fortifiée aussi. Mais... On va fortifier notre barre aussi, puisque c'est comme ça. Ils ont niqué notre truc. C'est mort.
amplifie et ça rend la vie. Pourquoi j'ai mis ça sur fail? Ça me prend. Moi je veux mon petit pote. C'est essentiel. Est-ce que je peux en avoir plusieurs? Non. Ça marche pas. J'ai pas des barres que je peux mettre sur ma propre... Ah. Ah si, je peux faire ça. Ah. Ah. Il me déglingue. Ça commence à devenir vraiment problématique cette histoire. Secours! Ça me déglingue leurs milliards de mesures! Mais au secours, je ne peux rien faire. J'ai crevé. Heureusement, l'IA est débile. L'IA ne sait pas quoi faire quand elle nous roule dessus. Ah non, c'était démonté. Ok, ok. Ça plutôt et voilà, qu'on se soigne un petit peu et on n'oublie pas la caisse quand même. Shred of the Dead mode pour Yann. Oh.
Attends, Muffle, ça réduit la régénération de hype et les dégâts infligés de 30%. Oh. Peut-être de le passer en distorteur en vrai, Yann. Hein. Je sais pas. Hein. Parce qu'en même temps, Antoine Francis, ça coûte pas beaucoup plus cher. Est-ce que Fortipain Flex est si utile? Fusil le crash et crescendo qui amplifie la barre, qui est mieux. Je pourrais reprendre le 0 Hz. On va essayer de reprendre le 0 Hz. Ok. Ah, un ticket. On m'a signalé d'ailleurs que dans le sous-sol de basse, j'avais raté un ticket. Mais l'excuse, je l'ai pas pu. Donc reste par là qu'il y a le boss. Que je suis certain qu'il y aura un boss. Ouais, du stock. On sait mettre de la vitesse aussi. Ah non, je vais arriver. Ah non, c'est Upbeat qui met de la vitesse, je suis à la ramasse. Ok, je suis débile, c'est pas grave. Ça va bien, oui. Allez, ça dégage. Quand on fait pas n'importe quoi. Allez, viens voir ce qui se passe au sommet de ce bus. Raté. Oula. Eh bien alors, qui sont ces adorables chatons? Peut-être d'autres âmes de musiciens décédés qui viennent nous rejoindre dans ces limbes sans inspiration? Bienvenue, bienvenue. Nous sommes tous morts ici. C'est chouette. Cela va être un peu trop solide pour être des âmes. Heureux, il fallait que je vérifie un truc. Eh bien, en tout cas, il faut se rendre à l'évidence. Au point où on en est, n'importe qui vient interagir avec nous est plus que bienvenu.
Vous voulez dire qu'ils sont vivants? Oh, mais ça en ferait des invités très spéciaux. On n'a pas vu d'être vivants depuis aussi longtemps qu'on est ici. À part ce gros balai de bonhomme de neige, bien sûr. C'est juste moi, ou est-ce que ces gens-là ont l'air d'être... Ces gens-là ressemblent aux fantômes qu'on a combattu jusqu'ici? Ouais, bien vu. Ils doivent être connectés d'une manière ou d'une autre. Un peu qu'ils sont connectés. La seule chose qui les rend différents, c'est le fait qu'ils ont acquis l'art de bien parler. Mais il va en falloir plus que ça pour nous tromper. Allez, on perd pas de temps. Pas de combat dans le bar, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous vous demandez tous ce qu'il se passe ici. C'est une roue. Pour faire court, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ces braves gens. Ils ne sont pas hostiles comme les autres esprits qui se baladent. Considérez cet endroit comme un endroit sécurisé. Nous apprécions votre aide jusqu'ici, mais peut-être que vous pourriez nous aider davantage. Venez au bar, je vous expliquerai la situation. Mais faites attention, c'est un peu fou. Attendez un peu, il va falloir des cartes clés pour l'ascenseur si vous voulez vous balader facilement. Des cartes clés? Wallen ne nous a rien dit à propos de ça. Malheureusement, il n'est plus venu ici depuis que l'ascenseur a été mis en verrouillage. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est bien pour ça qu'il vous a envoyé ici, non? Quoi qu'il en soit, voici la carte clé pour le 14e niveau. C'est là que vous devez aller ensuite. Attendez un peu, on est au 12e niveau là. On va pas aller au 13e? Il n'existe pas. Bah oui, c'est un hôtel. Ce bus est un hôtel, évidemment qu'il n'y a pas de 13e étage. Si vous ne le saviez pas, dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13 et il n'y a pas non plus de 13e étage. Pour les hôtels qui sont assez... Enfin, il y a un 13e étage, mais il n'est pas numéroté 13. Numéroté 12, 10 ou 14, en général. Parce que... Bah, superstition, hein. Mais t'as plaisir de me rencontrer. Qu'est-ce que vous êtes adorable. Cela fait longtemps que j'attends le jour où nous aurons plus d'invités. Oh, je pourrais vous manger si vous vous asseyez ici avec moi. Allons, laisse-les aller en chemin. Ils sont peut-être qui pourront enfin nous sauver de cette horrible, bien luxurieuse limbe. On peut même pas s'amuser, mais j'imagine que t'as raison. Salut bébé, ça part? Ah ouais, ça tarde beaucoup, et toi? Ne parlez pas. Oh, pardon. Je crois qu'il te parle à toi, Yann. Oh, et bah écoute, moi, je me porte pas plus mal, considérant la situation. Et vous? Écoute, oubliez ça. Ouh, stylé! Oh, j'aime beaucoup. Tu sais, je pense que j'ai passé plus de temps dans ce bar qu'en tant qu'être vivant. C'est quelque chose, hein? Comment ça se fait que t'es morte aussi jeune? Hey, dis donc juste que je me suis amusé un peu trop fort. T'es allé au bâton rigolo? Quelque chose du genre. Je sais plus de quoi il parle. Glamourella, oh là 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 là, très glamour. Attendez un peu, je vous connais. Le Glimorella.
était le nom le plus connu durant l'ère glam rock. Eh bah t'en tires une gueule. C'est plutôt déprimant là. Yann, je t'en prie. C'était probablement ma plus grande idole quand je grandis. Sans elle, je pense que je me serais jamais mis à la guitare. Désolé, c'est pour là un peu... C'est pas pour là pas le bon moment de faire ma fangirl, mais... Merci pour l'inspiration. Et ben alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es trop cool pour discuter avec tes fans, Glam? C'est pas grave, je suis pas un fan. Discutons. Yann... Qu'est-ce que c'est que cette agression? Vous nous aidez? Ouais, vas-y. Accouche. Les créatures fantomatiques que vous avez combattues sur votre chemin sont en effet connectées aux âmes dans cette pièce. Ah, je crois savoir ce qui se passe! Ah bon? C'est évident, non? Les créatures qu'on a vues jusqu'ici sont les alter-ego des âmes dans ce bar. Quoi? Pendant qu'il était vivant, ces musiciens ont laissé leurs égos grandir hors de contrôle. Ils ont pris la grosse tête. Au point que quand ils sont morts, leurs égos étaient suffisamment puissants pour prendre vie et déranger le processus naturel de la mort. Ces âmes veulent se reposer, mais leurs égos refusent. Ils croient qu'ils méritent de passer une éternité dans ces suites luxueuses. Wow! Eh ben, oui, c'est bien, c'est basiquement ça. Comment tu peux connaître tout ça? Et c'est parce que ma mère parle toujours de ce genre de trucs. Je vois. Donc, pour résumer, on a grimpé si haut dans ce bus que l'altitude et le manque d'oxygène nous a fait halluciner. C'est intéressant comme théorie, mais est-ce que ça se tient? Eh bah, dans ma tête, c'est plus facile. Parce que j'ai déjà oublié l'autre explication. Malheureusement, tant que... Pendant que les égos étaient nourris, les âmes étaient négligées. Et donc, ils n'ont pas la force de gérer ça eux-mêmes. Quelle bande de gros nazes transparents. Translucide. Si vous pouviez soulager chaque âme du bus de son alter ego, ces musiciens pourraient enfin reposer en paix. Et enfin, se libérer de cette prison écrasante qui est devenue ce bus. Donc, ce fantôme espère qu'on va nettoyer le bus de tous les esprits hostiles. Il en demande beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a, Faye? T'étais quand même pas parti pour faire le défantomage qu'à moitié, hein? Eh ben... Ça aurait été sympa, après on aurait pu se reposer un peu. Peut-être qu'on pourrait revenir ici et aider une autre fois. Désolé de lâcher tout ça sur vous, je sais qu'on en demande beaucoup. C'est juste que plus personne ne vient ici, donc encore moins des gens capables de combattre les esprits. J'ai vu une opportunité et je l'ai prise. On vous laissera pas tomber. Enfin, je veux dire, on pourrait. Je vous remercie. Je suis sûr que je peux parler au nom de tout le monde dans ce bar quand je dis que nous avons que vous avez notre gratitude éternelle. Attendez, mais je comprends pas, hein. Mais j'ai tabassé tout ce que j'ai croisé, non? J'ai esquivé les fantômes? Il me semblait pas, mais... Bon, passer en arrière vite fait, mais moi je pense que les seuls fantômes qui restent, ils sont en avant.
En fait, donc, vous savez quoi? Turbo plein de vérifier. On va partir du principe que tous les fantômes qui restent sont au 14e étage. Enfin, l'étage 14. Qui est le 13e. Comme on l'a expliqué. Et on se retapera tout le chemin que s'il se trouve que... Ah bon, en fait, non, il en reste. On n'a pas parlé à machin. Eh, je parie que c'était beaucoup à... à entendre. Ça m'a pris un moment pour tout piger aussi. Mais bon, c'est la vérité. D'accord. Étage 14. Ring, ring. Aujourd'hui, je vais mettre la vitesse d'abord. Aïe. Aïe. Cette fois, sans se tromper. Hein, le bisou. Le zoubi. Oh, les enfoirés. Ben moi, je vous crame la gueule. Et on va s'amplifier. Non ! Mon cuttle belly ! Reviens ! Prêt. Hop là ! Comment j'ai été devancé ? Et toi, dégage ! Interdit. Aïe. Bon, ça gêne un peu quand même. Oh là là là. Prêt. Et il l'achève. Incroyable. La sèche, la séchée. Ouais, je suis un peu fier de celle-là quand même. Wealth. Ah! Augmente le pognon reçu de moitié. Oh, je sais pas, je me trouve déjà bien riche. Eh? Ça va. Ah, c'est les enfoirés à la fois hausse encore. Mouillon. Aïe. Ah ouais. Ah ouais. Prêt. Vous croyez que vous pouvez me casser la gueule? Ah, j'ai plus les fortifications. Ah non, mais c'est pas grave, c'est parce que j'amplifie. Sérieux. Les bisous. L'horoscope. Non. Je vous crame la gueule. Prêt. J'adore ce putain de bon jeu. Merde, c'est Twinkle Spark, je vous déconseille. Dégage. Ah non, non, j'ai... C'est pas que j'ai tapé le mauvais truc. Tellement grâce. C'est pas que j'ai tapé le mauvais truc, c'est juste qu'il est mort à cause des mesures de douleur. Mmh.
pas grave. Bang. Et voilà. Derrière, ça regarde. J'ai Gentle Barry là. Ouais, bon. J'ai pas essayé de garder des traces de tous ces trucs. Oh là 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 là! Mais c'est dingue! Ce bus, quel enfer! Ouais, et ben moi j'invoque le petit pote! Brrrr! Et le petit pote il vous déglingue! Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas important. On le déglingue, j'ai dit! L'horoscope, toujours la même saleté. Ah, ah. Bah ça va. J'ai mal. Hein? Imbécile. Et derrière, on le déglingue avec un méga pop slap pour l'achever. Non, je me remettrai jamais de ce jingle de victoire, il est beaucoup trop incroyable. Quel enfer. Ah, du stock. Ah! Il m'a embusqué! Salaud! Salaud! Et ben moi j'invoque le petit pote! Prêt! Observe la lumière, très bien, il prépare son super coup. Le bisou. Et ben moi, je fais des cheveux. Voilà. Ça, ça va faire mal. Ah, 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 ça a fait mal. C'est pas grave, je vais me soigner aussi. Et en vrai, je continue de me soigner. Ah, je peux pas. Bon, bah, j'ai juste pu te casser la gueule. Alors. Voilà. Ça marche aussi. Rien ici. Allez. Toujours plus de saloperies. On se trompe pas de bouton.
Aïe! Ah, je peux pas utiliser... Je peux pas utiliser Brief. Quel bon d'enfoiré. Tu as ta gueule, toi. C'est interdit aux grenades ici. Ah, tu as déparlé Brief. Quelle erreur. Et... Pêché par la sèche, de nouveau. Exceptionnel. Exceptionnel cette sèche. Je commence à prendre cher, moi, je pense. Hein. Alors, on a encore plein de... Encore plein de matos. Encore du stock. Eh bien, ils ont peur que je tombe à court. Charge, et ben moi j'invoque le Cuttle Buddy comme toujours. On va te mettre à toi un méga pop sap dans la tronche. J'avoue que ces deux là, c'est les deux que je considère les plus dangereux. Fondeur de visage sur ta gueule. On va voir comment on te le prend celle-là. Les contre-attaques en parlent sans paille. Ah, mais quelle saleté! Aïe aïe aïe! Vite, vite! Du twang! Aïe, ça fait mal. C'est mal, mais c'est pas grave. On se soigne. Il charge. On va pas le laisser sortir sa grosse attaque. Tu meurs. Ah, on a presque level up. Si proche et pourtant si loin. C'est vrai qu'on prend cher en vrai. Les ennemis ici, ils déconnent pas. Bon. Ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Putain qu'il est grand ce bus. On va se laisser... Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.